Woke up, hum, knocked on the brakes. Don't know where the hell I am. Who's thinking next to me? What did I do? I gotta be. Can't work or go to school today. Can't remember to do that anyway. Got some money, got no food, the world's a mess. I am my lord. I am my lord. I am my lord. I am my lord. Bonjour tout le monde, c'est les Chitamen. Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une weekly épisode 22 sur Skate 2. Hein. Skate 2, ouais, oula, c'est carrément, je suis plutôt un marathon. Et voilà, attention, c'est parti. Voilà. Donc Skate 2 qui fait suite à Skate 1 et Skate 3. Précède Skate 3, et wow. Skate 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Donc nous on l'a pas encore, hein, parce que voilà, on avait acheté Skate 1 et Skate 2. Ouais, tout à fait. On a décidé de faire une weekly parce que voilà, parmi vous, nous, parmi les abonnés, il y avait des amateurs de skate. Ça se voit, il y en a quelques-uns, 5, on est 5 en tout, c'est pas mal quand même, c'est bien. Ouais, ça suffit, ça va, j'ai une petite look. Ça joue à 8, donc 5, et les 5 sont là, donc enfin, les 5 et moi. Les 4 qui sont inscrits sont venus, donc ça c'est cool. Hein. Attention. Donc c'est un jeu développé par Black Box et édité par Electronic Arts. Ouais, c'est dans la branche interne de EA, tout à fait. Hop. Skate qui avait venu révolutionner le jeu de skate, hein, puisqu'il s'était voulu extrêmement simulation et finalement a réussi son pari, puisqu'il a complètement enterré les Tony Hawk 1 sur Next Gen, c'est clair. Ouais, c'est et finalement, même Neversoft n'existe plus. Ouais, Tony Hawk en tout cas n'existe plus. Hein. C'est ouais. C'est triste parce que. Ils vont sortir peut-être un autre encore, mais je crois que c'est vraiment la fin là. Moi, c'est Skate 2. J'ai pas forcément la volonté ou la patience, mais je touche pas une bille, je sais vraiment mais rien faire dessus. Pourtant c'est vraiment très facile, il suffit d'y mettre quoi. C'est avec le stick, je comprends rien. Déjà j'avais mis longtemps pour comprendre à jouer à Tony Hawk. Le 4, enfin le 2 on avait commencé. J'avais fait le 2 sur Play 1, j'ai pas fait le 1, j'avais fait le 2. Le 4, après le 3 plus tard, et après les Tug 1, Tug 2, American Westland, et c'est tout. Parce que sur les jeux... Les deux sur Next Gen, les trois même. Les deux, trois là, je les avais pas fait. Ouais, tout à fait. Puis on a même appris qu'il y avait en fait tout le temps qu'il continue de sortir chaque année quoi. Voilà, c'est ça. Avec la planche aussi, il a raillé. Mais moi je considère que Skate c'est un très bon jeu de skate pour cette époque là. Ouais, pour Mais je considère moi que ma nostalgie, mon expérience propre, je considère que les Tony Hawk des années Play 2 sont les meilleurs, surtout le 3 et le 4. Ouais. Pour moi je les considère, ils sont excellents, on s'amuse beaucoup, c'est très arcade mais. Mais voilà, je sais pas, peut-être qu'un jour on fera une petite session, je sais pas, rétro ou présentation des différentes Tony Hawk qu'on a sur console. Excellent, hein. Le parce 4 que... et le Underground aussi, 1 et 2 qui sont vraiment très très aboutis. Hein. Ouais, mais c'est vraiment un autre esprit du skate, hein. Genre, jusqu'à présent on pensait skate par Tony Hawk et on pensait arcade, à faire des millions de points, à faire du voilà des grabs, des figures impossibles, irréalisables. Quoi. Et là c'est un peu la simplicité, hop, tu fais un ollie comme ça et t'es content de l'avoir réussi quoi. Enfin même si c'est facile à faire quand même, attention. Avec une approche graphique au début, moi qui m'a pas emballé, satisfaite, et puis finalement ça va quand même, c'est pas trop moche. Même si là c'est pas extraordinaire parce que le 3 est quand même plus joli, lui date quand même de début janvier 2009. Hein. On voit que les textures sont un petit peu granuleuses des fois, c'est... Je vais crever là. Le mec fait un Christ R et il se plante la gueule. Voilà, Superman. Alors il faut qu'on fasse... Ouais, j'ai mis peut-être des petites activités de groupe et après on fera de la compétition. Putain, on est déjà à 112. Là, il y a du PGM, tu vois. C'est-à-dire que nous on parle et là on est 5 et donc on va réussir le challenge. Hein. Voilà, donc là ça va. Parce que t'avais mis un challenge de 125 000 points en temps de jeu. Enfin, ouais, non, j'ai pas choisi en fait. C'est chaque environnement. Comme la map est immense, elle est découpée en zones et en gros, chaque zone bénéficie d'activités skate libre en fait. C'est des petits défis qu'on peut se relever comme ça. D'accord. Et moi je suis allé rider la falaise et ça n'a pas marché. Pour rider ton corps, parce que tu peux te défoncer. C'est hein. Ça, ouais. Peut-être qu'on le fera à la fin en bonus, un petit mode boucherie, c'est il faut se défoncer la gueule en fait, se faire le plus mal possible. Ça, on le voit là, t'as un peu ton bras gratiné, ouais, tu peux te casser des os et tout, genre. Tout à fait, bah regarde, si je fais ça. Ah, ouais, c'est un gagne, d'accord, on a gagné, c'est fini. Au moment où j'allais m'exploser par terre, voilà quoi. Donc au niveau de ton mec, là c'est une sauvegarde qu'on a créée il y a pas longtemps, parce que c'est ça, ouais. On avait perdu les sauvegardes avec l'ancienne play, puis c'était sur ton autre compte. Tout à fait. Là t'as fini premier, là. Quand même, j'ai fini premier quand même. Faut dire que voilà, j'y ai pas mal joué à ce Skate 2, donc forcément il y a quand même des restes toujours. Hein. Ouais, donc voilà, la particularité du gameplay, voilà, c'est on joue avec le stick droit, hein, tout à fait. C'est-à-dire que t'as le stick droit, regardez, si j'incline légèrement vers le haut, hop, un nœud manuel plus ou moins prononcé, tu vois, un nœud manuel, et là dans le sens comme ça. Et ça, j'aime beaucoup, ça, les manuels, toi, ça rend vraiment bien quand même. Hein, Ah, mais si tu fais attention, le manuel dans la. Hop, allez, la porte. C'est parti, Chris. Ah non, je vais faire Christelle, je me suis trompé. Aïe, j'ai mal retombé, faut incliner, faut faire gaffe, hein. Aussi, donc il y a plein d'habits et licences, bien sûr, hein, Adidas, Converse, tout ça là.
Circa, Element, Girl, sur toutes les marques de skate, mais il y en a quand même moins que dans le 3, bon ça pourrait on va dire normal quoi. Bon, tu as qu'à présenter les 4 abonnés qui nous ont rejoints pour cette weekly là. Ah, Waterproof, c'est Elu Click hein, normalement. Ouais, c'est ça. Il y a Boosty, The Boosty, c'est The Boosty normalement. Voilà. Fox, c'est Fox. Hein. Et Ludo Pro Joystick, c'est Ludo Pro Joystick. Voilà. Ça, c'est pas trop dur à retenir. Hein. Donc, on vous remercie tous les 4 d'avoir répondu présent pour cette weekly. On l'a dit, hein, on allait faire des weekly un peu plus variés sur des jeux. Tout à fait. Différents, beaucoup de FPS en tout cas. On en a marre. Ou on le limitera quoi, il y en aura moins. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on vous rappelle hein, que ce soir, 19h-20h, la Super Weekly des votes, c'est terminé. C'est ça, ouais. C'est terminé et les résultats dimanche soir. Voilà. C'est ça, donc voilà. Là, normalement, la vidéo, on va essayer de la poster samedi tard. Ouais, tard. Ouais. Samedi tard, on va essayer. Si ça marche, parce que souvent quand on fait les weekly, ben voilà, la création plante, faut convertir et tout ça. Donc. C'est fatigant quand même à chaque fois. Hein. On va faire un appel au don comme notre ami suisse. Et, c'est ça, ouais. On va faire aller. Tu peux lui payer une Play 3, putain, c'est normal quoi. Mais tout à fait normal. Hein. Allez, c'est bon, on va arrêter de parler de ça. Allez. Ouais, donc Skate 3, on voit quand même qu'au niveau du gameplay, les possibilités sont quand même énorme, très très variées quoi. Surtout qu'en fait, le 2 par rapport au 1, c'est pour ça qu'il est souvent considéré comme le meilleur parce que le 1, ouais, il avait tout révolutionné. Mais le 2, il a amené beaucoup plus. Ouais, carrément, beaucoup plus de tricks on va dire, parce que dans le 1 il n'y avait pas beaucoup en fait, c'était très limité. Et du coup ils en ont mis beaucoup plus, oh, super dude et tout comme ça, voilà attention. Vraiment la belle sensation de vitesse, bon là faudrait marquer les trucs avec des implantes, bon on va vite fait le faire peut-être, on va voir. Alors ouais j'ai pris cette zone parce que voilà c'est sympa, ça va vite. C'est un skatepark ouais. Un peu à l'arrache, hein, qui est dans tous les sens. Et tu veux nous présenter, je crois que dans la ville c'était des morceaux de ville connus, ça, c'est des ça, morceaux ouais. De Barcelone, des ouais, morceaux de la Los Angeles. Sant Vanelona plutôt, donc c'est à Barcelone, San Francisco, ou non, San Diego, je ne sais plus laquelle des deux, et Vancouver en fait. T'as eu Ludo Pour qui a pris le loop là. Ouais, tout à fait, moi je les ai pris aussi, mais dans le dos en fait. J'ai mon t-shirt et sali, vous voyez, c'est bien. Hop. Voilà. Vous pouvez bien sûr personnaliser sa planche, c'est. Je sais plus comment ça, les trucks là, les roues, tout ouais. Ça, normal, le grip aussi, tout ça, hop, attention. C'est un peu. Pourquoi il y a une espèce de faux mur invisible là. Il y a un faux mur invisible là, effectivement, hop. Ah, mais là, c'est chaud, je fais pour mourir comme ça. Je voulais faire une autre activité en fait. Ah, on ne peut pas la quitter, ok, d'accord, bon, on va essayer de la faire alors. Il faut nombre de skaters. Et après, on fera une petite compétition de points. C'était juste faire quelques activités pour vous montrer et entamer l'hostilité gentiment, on va dire. Voilà. Pour laisser des chances à Fox, il a dit qu'il veut pas être dernier, bon, et voilà. Je te laisse comme ça, hop. Si un gameplay, c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile à prendre en main, dans les arbres. Faut essayer de faire les deux trucs, là c'est des handplates, faut que tu poses le trick coping en voilà. Fait, c'est ça. C'est un coping. Hop, les grinds ça y va tout seul, c'est pas comme, oula, putain. Oh putain là, c'est pas vrai. Comme Tony Hawk où c'est qu'il faut appuyer en fait là, c'est à dire que tu vas sur la barre là, le hop, pour grinder. Non mais faudrait que je fasse mais avant non, en fait. Faut que tu fasses avant. Non mais ça va être, je suis mal mis en fait. Voilà, on va faire ici là. Hop. Et non, et non. Non parce que faut que tu viennes droit en fait. Non pas forcément. Ah ouais. C'est parce que j'ai dû sauter en fait, fallait pas sauter. Hop, je fais comme ça. C'est R1 pour faire les tricks coping dans ce jeu là, comme ça. Et voilà, faut hop. Que tu fasses R1 en fait. Ouais je sais. Oui bah oui, mais tu l'as pas fait. Faut que tu le poses là en fait, hop. Faut que tu le poses sur la barre. Voilà. Mais aucun l'a fait de toute façon, hein. Aucun des deux l'a fait. Donc on voit quand même que l'environnement c'est pas très beau, genre sur certains, autour, sur certaines textures, ouais. Les arbres autour c'est un peu quand même du Nintendo 64, regardez là, on les voit, ils sont coupés quand même au cutter, hein, genre. Mais l'avantage quand même de ce jeu là, de cette map, c'est qu'elle est vraiment très grande et donc très très variée aussi. Il y a les montagnes, des barrages, des centres urbains, en fait comme il y a du Barcelone, du Vancouver et tout, il y a de tout quoi, vraiment, et ça c'est vraiment appréciable dans ce jeu quoi. Moi qui ai pas beaucoup joué, même quasiment pas joué, est-ce que la météo est évolutive quand tu fais du mode libre comme ça dans la ville? Non, il fait toujours jour. Ok, il fait toujours jour. Il n'y a pas de skate de nuit, j'en ai pas. Parce que là, on voit quand même que sur ce skatepark, là, c'est un peu le coucher de soleil. Le coucher de soleil, ouais. Ça doit être très défini. Oh, tiens, Chabal qui s'est pris un bon plat. Tiens, toi aussi. Ah, les jambes, ça fait mal. C'est pas mal. Au niveau, ça, c'est vrai que j'ai bien aimé au niveau des chocs. Hein, quand tu te prends des grosses gamelles, c'est... Ouais, ça rend bien, vraiment. Ça rend pas mal. Ça, on va vous montrer. Comme quand Naito avait fait avec Asdang, t'es là. Ah! Le truc quand il sautait du barrage là dans Skate 2, je me rappelle, c'était une vieille vidéo, hein, il y a 2-3 ans. Et
Et c'était vraiment drôle, donc on fera ça aussi en mode boucherie en fait, on va faire ça. Mais vous êtes pas très fort là, vous arrivez même pas à poser un coping alors c'est hyper simple normalement, tu arrives en face. C'est pas hyper simple. Bah si, t'arrives en face, tu poses R1. Non, non, mais ça marche pas comme ça dans ce jeu. Bah tu m'as dit que c'était R1, oui, mais c'est plus dur, faut arriver bien. C'est plus dur, attends, c'est pas Tony Hawk là où t'appuies 30, ça fait un coping. Hein. Ouais, mais faut arriver en face là, t'arrives pas en face en fait, c'est pour ça, je comprends pas. Non, mais c'est plus dur. Tu vois, je vais essayer de le faire. Faut passer cette rampe sans se casser la gueule et ça c'est difficile en fait. Parce qu'il y a une telle hauteur et donc tu tombes, tu meurs quoi. Attention. Après ton mec, tu l'XP ou pas? Non, il y a pas de stats, non. Ok, tout ça. Pas de stats comme Tony Hawk ou tu lui ouais, faut tout savoir faire en fait, voilà. Et ça c'est pas trop mal, ça fait un petit côté un peu réaliste. Attends, je vais faire comme ça. Ah, j'ai pas arrivé à hauteur. Non, pas assez d'air. De toute façon, celle-là elle est vraiment très dure. Hein. Je l'avais pas réussi non plus. J'ai mis cette activité, je pensais que c'était une autre, mais bon, c'est pas grave. Là. Non, vous êtes trop à la rue au niveau de l'air. Ouais. On s'envole pas quoi. Et en tout cas. Oh. Je vais me faire péter par le mur. Les autres abonnés n'y arrivent pas non plus. Hein. Non, ça n'y arrive pas non plus. Bon, c'est pas grave, on fait du skate, on va dire. Il reste humide, on fait du skate, voilà. Hop. Donc, ouais, aussi, en gros, la particularité c'est que les grabs, donc c'était avec R2 et L2 en fait, vous voyez. Et il attrape sa planche avec la main en fait. Et ça j'aime bien, ça fait genre hop, R2 s'attrape avec cette main et avec l'autre main, tu vois. Donc tu fais les deux comme ça. Donc tu peux faire vraiment un gameplay vraiment très complet, très fourni. Et quand on le maîtrise, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Hein. Moi là, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Après, voilà, j'ai pas forcément le même avis que toi parce que c'est que Tony Hawk, j'aime beaucoup aussi. Mais quand j'avais vraiment découvert skate, j'ai fait putain, c'est vraiment une autre approche totale, totalement une autre approche. Hein, Bah, c'est une autre approche, voilà, c'est ma génération, je considère que Tony Hawk c'est mieux, mais après voilà. Ouais, les premiers Tony Hawk, hein, je parle pas des dernières boosts sur Next Gen, sur 360 et Play 3. C'est ça, ouais, avec la avec planche. Ride aussi, et tout, là, la planche. Plutôt imprécis d'ailleurs cette planche, hein, un peu dommage. Il y avait de l'idée, hein, mais bon. Dommage, franchement, après, c'est vrai que ça partait déjà en vrille avec Tony Hawk Underground 2, ouais. Tout en étant encore excellent, hein, parce qu'il bon, y a les mecs encore de Jackass, donc c'était quand même pas sympa celui-là. Bah, c'était pour les fans, quoi, c'est vrai que moi j'avais bien aimé, même si c'était vrai que c'était pas très, très amusant, c'est voilà, ça part d'un bon délire entre amis, c'est pas trop mal, mais bon. C'est ça. Mais il avait apporté quand même beaucoup de choses, les thugs et les underground, parce que surtout le vent en fait. On avait la possibilité de lâcher la planche en fait, de pouvoir escalader. C'était la première fois en fait. Hein. Et ça c'était très très. Bon, celui-là aussi on peut, mais en fait il pèse 58 000 kilos le mec en fait. Ah ouais. Par rapport aux 3, c'est-à-dire que là, si je bouge, ça c'est un semi-remorque le mec. Les feux de recul et tout. C'est beaucoup plus lourd en fait. Donc ils ont fait, attends, c'est un jeu de skate, tu pourras pas descendre de ta planche. Tu descends, hop, t'es lourd, gravity x5. Voilà, donc on a abandon. Ah, il y en a un qui l'a fait, il en a fait un. Ah, ok. Un sur deux. Voilà, donc il y a Fox qui est plus là. Là, Fox n'est plus là. Attends, je vais essayer de le réinviter alors. Ou alors il est peut-être pas lancé là. Si, pourtant. Attends, je vais essayer de le réinviter alors. Tu vas en faire une autre session là, tu ouais, vas rentrer. On va changer là. On va changer là, attends. Ça ne va pas ça. Alors. Ça va être à la fin. Allez, on y va. Clac, clac. Là. On va le réinviter. Voilà. Donc voilà, j'attends qu'ils viennent, après on va changer d'endroit, hein. On va aller faire Chabal, là. Hop, Chabal. C'est Zoubousti, je crois. Et ici, Chabal. Hop, je mets ma planche. Allez, c'est Chabal. Ah, je crois que non, faut que c'est pas encore là. Ah, c'est Chabal, hein. Ah, c'est Chabal. On passe frapper, hein, je crois. Mais des coups de planche. Donc j'appelle ma planche, bien sûr, et puis... Hop, le pouvoir de la force. Le pouvoir de la force, elle revient, c'est fini. Viens ici, toi, ok, ah, j'arrive, ouais. Hop. Je peux la remettre sous mes pieds, je peux l'enlever comme ça. Tu peux faire des tons, t'as vu, après Ouais, c'est ça, avec la croix directionnelle en fait. Là, il fait l'avion, mais comme il a le bras occupé, il arrive pas. Donc là, l'avion comme ça, voilà, on peut les paramétrer. Et aussi, genre, wow, yo, qu'est-ce que tu me cherches, je vais te casser ta gueule, tu vois. Hop, ça, yo. Voilà, voilà, aussi, il y a ça. On tombe. Ouh, tu veux te battre comme ça. Oh, you suck. Ok, vas-y, il court, c'est Chabal, vas-y. Plaquage, vas-y. Hop. T'as comme par hasard, il n'y a pas Fox, quoi, c'est ça. Mais je sais ce qu'il fait. Je sais pas, il a dû avoir un bug. Il y a le lot carrément. Ouais. Il y a plus de play. Sinon, quoi, des fois, faut relancer le jeu carrément, quoi. On va relancer, ouais. Enfin, putain, j'ai vraiment les coups d'exploser, quoi. Donc là, tu vas montrer une petite compétition et après, on finira par, par un mode arrache ta gueule, genre ça, mode cascade, quoi. Boucherie, tout à fait. Faut faire le plus de dégâts possible. Là, hop, attention. Ah, ouais, comme ça commence pas. Et voilà, c'est cas. Ouh, fait l'avion, tu peux encore lui faire des tontes. T'es genre, je suis tombé, je viens, il fait quand même les tontes. Regardez, hop, et là. Je vais bien. Oh, et là, il bouge ses doigts et voilà. Hop. Bon, je vais essayer une dernière fois de l'inviter alors. Dommage qu'il ne vienne pas, quoi. Peut-être qu'il est parti. Il a rage quitté déjà. Attends, faut que je me baisse pour passer dessous. Non.
perds un compte et... Aïe. Bon, on va quitter, enfin on va lancer. Alors, action haute, configuration partie, voilà, j'avais regardé un peu avant. Au niveau des musiques, pour ceux qui veulent jouer au Skate 2 ou Skate 3, les musiques, c'est varié ou c'est... Ouais, c'est varié, moi j'ai beaucoup aimé la bande-son. Après, elles sont pas toutes excellentes, mais... Et après, on peut les paramétrer, c'est-à-dire on peut en enlever... Ouais, toujours EA Track, tu peux toujours faire ce que tu veux, quoi. Donc alors, on va faire Jam, un bon endroit, le... Non. Attends, je sais même plus lequel je veux faire. Un qui est vachement bien. Si, lui, voilà, lui, j'aime bien. Non, c'est l'autre, là. Bon, on va faire lui. Voilà, c'est lui. Allez, c'est parti, on change de lieu. Donc, c'est des défis, ouais, le solo. Le solo, je l'ai pas fini, en fait. Donc, il y a une petite histoire, en gros, ça continue le 1. Le 1, tu te fais, à la fin, je crois que tu te fais arrêter. Et, hop, et... Poste tes dents, quoi. Donc, en gros, le 1, tu te fais arrêter. Là, tu reviens et la ville, elle a totalement changé. Il y a des policiers, maintenant, il y a des... Il y a des, le gros aussi là. Il y a des trucs, ils mettent des trucs anti-skate sur les rambardes en fait. Hop, faut que ça load. Voilà, ça load un peu. Ils mettent plein de trucs en fait en gros. Et du coup, il y a la police et tout qui te cherche. Dans certaines zones, ils te tabassent. La police, quoi, comme ça, ils te tabassent. Et du coup, en fait, tu fais appel à des gens. Donc, il y a le genre le gros de Big and Roll. Robin Big. Et ça, c'est trop bien. Il y a le vrai et le gros, quoi. Le gros là, il vient. Et le gros black, il fait 2000 kilos là sur un petit lit. Il tape les flics, hein. Il vient taper la police, quoi, commencer des filles. Oui, Fox est toujours pas là, c'est... Fox est toujours pas là, et ça, c'est vraiment dommage, hein. Parce que là, on peut rien faire d'autre, on t'invite. Bah, on peut rien faire d'autre. On peut vraiment rien faire. Peut-être qu'il a un problème, que ça marche plus, je sais pas, quoi. C'est dommage. Nous, hein. Là, on en enregistrement, on n'ouvre aucun MP, aucun message. Ouais. C'est comme ça. Du coup, là, ça a commencé ou ça commence là? Ça commence, là. D'accord. Ça commence là, donc là faire le plus de points. Alors il y a la règle, c'est régulière, donc en fait c'est n'importe quoi, c'est un peu de tout. Parce que parfois il y a genre que des grinds, que des tricks ou des grabs, hein. C'est-à-dire que des trucs, kickflip c'est un trick, et un melon genre hop comme ça c'est un grab, voyez. Pour confirmer quand même ce que j'ai dit sur la pâte graphique, on voit quand même c'est pas très coloré, c'est un peu... Ouais mais... Un peu granuleux quand même. Ouais, même si c'est quand même pas moche, moi ça c'est un style, je trouve ça pas... Je ne trouve pas ça moche encore quoi. Il y a pire. Hop. Donc là, le but c'est de faire des tricks. Bon, après, tu peux pas faire non plus des combos, hein, des fois 15, fois 10 comme dans Antonio. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Tu passes un melon, t'es à 360, t'es content. Ouais, il y a un multiplicateur, c'est 1,5, 2 et 3. Donc 3 si je fais un truc de fou. Alors pour faire un revers, par exemple, hop, avec le stick gauche, on fait un tour en fait. Donc ça, c'est bien ça. C'est assez intuitif, tu vois. Après, est-ce que tu peux percuter les autres ou pas? Ou ils sont fantômes? Non, là, je crois pas qu'on puisse se percuter. Non, je pense pas, non. Dans d'autres on pouvait, dans Tony Hawk ça y allait allègrement, tu sais, genre claque dans la gueule. Ouais, c'était ça qui était bon. Oh, hop là. Ah oui, tiens, j'ai oublié ça aussi, comme ça. Hop, les bonnes laisses là, c'est très important en fait pour retomber. Le canapé est très moche, on va pas s'y asseoir. Ouais, c'est chaud quand il est dégueulasse, hein. Ah, non, j'ai pas fait ce que je voulais. Elle est grande cette map ou pas là? Ouais, en fait, c'est sur 3 runs, donc là c'est là, on fait ici après. Ah, bon, ça t'es promis, c'est bon. Je promets? Ouais. Ok, alors je voulais vous montrer un truc en fait, c'est quoi là, pour faire des combos. Dans Tony Hawk, là aussi on peut faire les manuels, mais ça garde pas trop. Dans Tony Hawk, c'est vraiment la joie, c'est que tu fais des manuels et tu fais des combos 2000, 23000 x 23 quoi. Okay. Et là, non, c'est pas ça en fait. C'est parce qu'en fait, ça garde le combo en cours selon ton multiplicateur, donc c'est un peu plus large, un peu plus long. Et si tu mets la session publique, est-ce qu'il peut rejoindre Fox ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent les autres ouais, rejoindre? Ouais, mais faut qu'ils sachent. Mais attends, normalement, on est en cours, on peut pas là. Tu peux, t'es en cours? Ouais. Faire ça juste après. Donc là, maintenant, c'est les tricks aériens seulement. Donc. Comme ça, hop, et que dans la zone aussi, hein. Je passe en première place, ouais, je sais. Et où la zone? Là, c'est la zone à gauche, en fait, là. Là, dans le snake run, là, voilà. Ici, on s'appuie, tu fais. Wow. Je suis un peu sorti. Ouais, j'ai fait un quad kick flip, en fait. Donc, bon, petite imprécision, c'est parce qu'en fait, tu fais bas et en haut à droite, et ça fait c'est censé faire un kick flip, tu vois. Mais du coup, il y a le varial kick flip qui est juste à côté, donc... Souvent, tu sais pas trop ce que tu fais, donc tu fais des trucs en fait. Voilà, même si t'es un grand connaisseur, t'es jamais sûr à 100% de faire un kickflip quand même. Et voilà, donc ce que je veux dire pour faire genre dribble, double, triple ou quadruple, il suffit de maintenir en fait. Hop, et voyez, il va continuer à en faire. Attends, je vais faire ça là. Ah non, je voulais qu'il se mette sur son pied et qu'il ressaute. C'est un truc bien sympa à faire ça. Mais là, il a pas voulu. Allez, hop. Comment tu gagnes de la vitesse? Juste en maintenant croix ou... Ouais, ça fait en fait croix, aïe, ou carré en fait. Carré, moi je pousse avec carré, c'est le pied gauche, et croix serait poussé avec le pied droit. Et en retombant bien aussi. Parce que là tu prends pas beaucoup d'air quand même. Ouais, mais bon, tu fais des petits tricks et ça suffit, même si je suis deuxième là, attends. Ça passe.
Ouais, tu prends... ouais, c'est bizarre comment tu prends pas beaucoup d'air quoi. Non mais c'est comme ça, on s'envole pas. Hein. Ça c'est pas non plus, je demande pas... Non mais, carreaux, mais c'est souvent un peu à l'arrêt que je fais. Moi je fais des trucs comme ça, x3 vous voyez, donc là c'est bon, je peux engranger des points mais c'est fini. Hop. Peut-être premier encore. Hein. Ouais je pense, ouais. C'est pas spectaculaire mais bon. Non, c'est, ce qu'il y a de bien c'est que ça fait... ça, voilà, on apprécie les tricks basiques, hein. Tu vois le kickflip t'aimes bien, voilà, tu revois ça. C'est que d'Antonio que tu faisais un peu comme un fou quoi. Même si c'était quand même sympa ce truc là, on fait des 900, des 1080 en l'air comme ça. Là c'est quand même beaucoup plus on va dire réaliste. Hein. Hop, t'es comme ça. C'est comme les même si je fais pas de skate, quand tu vois des vidéos sur internet, ils font ça quoi. Genre, ils font pas les fifous. Hop. Les figures elles existaient plus ou moins quand même dans Tony Hawk. Ah mais non mais elles existaient toutes exactement. Non, parce que le 900 Tony Hawk il avait déjà placé donc. Oui non mais je veux dire quand on faisait comme ça à l'arrache. Non mais là si je peux faire un 900 mais pas là quoi. Pas maintenant. En tant qu'il l'a fait il avait des protections et c'était sur une rampe. Hein. Donc là d'après ce qu'on a pu voir dans la vidéo de présentation il faut juste faire des figures dans ce bol. C'est la finale en fait. Ouais, en gros ça te donne dans des endroits. C'est une compétition c'est dans trois endroits différents à chaque fois. Hop. Attends je vais essayer de faire un coping. Voilà. Oli sur le clodo, non, y a pas. Non, y a pas là. Y a des clodos par contre, oui. Ouais, y a une population. Oh, mais. Ah non, le quad il passe pas là. Donc ça me repop. Attends, je vais faire un truc. Oh, y a Bonnelès comme ça. Donc Skate 3 est sorti l'année dernière, non? En mai 2010, exactement, ouais. Et y a un Skate 4 qui est prévu ou pas? Pour l'instant, non. Faut qu'ils attendent parce que sinon ils vont en faire trop chaque année et ça va pas quoi. Ça va retomber dans les travers de Tony Hawk. Donc, et surtout qu'il faut des innovations aussi quoi. Il faut innover quand même. Hein, parce que même si le 3, bon, ça va être plus léger, plus de tricks, plus de tout. Mais bon, le 3 c'est plus un skate 2 version multijoueur amélioré. Parce qu'en fait c'est le multijoueur qui a le plus d'améliorations. C'est qu'il y a eu des sortes de challenges et des équipes en fait, des écuries quoi, tu vois. Ok. Tu fais des groupes et des missions en coop et tout. En tout cas nous si vous avez envie de vous mettre à ces jeux de skate, hein, on vous quand même conseille de passer directement au 3 puisque le 3 est en platinum déjà et ouais, coûte 15-20€, ouais. Tu peux le trouver sur internet, peut-être en boutique aussi. Même mais le 2 parce que le 2 là, il y a une ville apparemment plus intéressante que le 3 donc tu sens comme le 2 il vaut pas cher non plus. Vous choisissez et de toute façon voilà, il y a pas non plus le 3 mais pas une race totale au 2, hein. Beaucoup préfèrent le 2. Moi j'attends, bon, là, on j'attends voit qu'il y a, 3, y a domination là. C'est ça, là je vois là. Tout gagné. Hein. C'était plutôt sympa la domination là. Est-ce que tu peux relancer une compétition ou pas? Ouais, je vais en faire une autre ailleurs. Pour essayer de l'inviter parce que je vais inviter Fox encore. C'est pas normal que ça marche pas. C'est dommage là. Faut qu'il vienne. Hop, allez, viens. Mais peut-être qu'il voit là, il est impuissant, il voit les invitations mais il ne peut pas venir. Il nous dira. Puis il va être dégoûté, ça faisait longtemps qu'il voulait qu'on fasse skate. Là, on le fait, il peut pas. Bon, t'avais un petit peu joué avec eux pendant ouais. Les semaines, pendant la. Tout à fait, ouais. On a déjà joué un petit peu, hein. J'avais déjà fait des sessions dans nos parties, mais c'est vrai ouais, que c'est ça. Là on a dit tiens on va prévoir un petit wiki sur Skate 2 pour changer un peu, voilà, pour changer tout simplement. Ça fait plaisir un peu de faire des jeux nouveaux dans les weekly, hein. Hop. Parce que 22 weekly, on va pas faire 22 weekly sur Black Ops, désolé. Non. Ce serait bien. Et oui, encore un weekly, 22e weekly sur Black Ops. Alors surtout à peut-être voilà. Qu'on fera un Modern Warfare 1 sur PC peut-être. Ou sur P3, on va pas voir. Sur PC, moi le 1. Tu l'as pas sur PC? Non, PC attends. Des jeux qu'on a pas, on peut faire, ouais, si. StarCraft 2, tout je ça. Je pensais que tu l'avais. Non, là, non, on l'a sur P3 encore, mais. J'ai code 2, on fera code 2, son, je pense. Hop. Bon, peut-être le 4 sur P3, on verra. Hein. Quand on sera en manque de code, c'est. Bon, il ne vient pas. Il ne peut pas venir, dommage, je crois. Ouais, on va faire un autre endroit alors. Alors, configuration partie une dernière là. Et après, on fera la boucherie. Donc là on va faire le best trick, donc là c'est le meilleur truc, donc en gros voilà. Vous voyez là c'est la ville, c'est vraiment la ville, j'allais dire la ville urbaine, tu vois si je peux dire, c'est plein de trucs piétons et tout. Et voilà, c'est bien, c'est ça qui est bien, ouais ici c'est un excellent endroit ici. J'ai réussi à faire des tricks de fou, donc c'est à mon avantage et oui c'est moi qui choisis les endroits. Hop. Donc oui, ce que j'avais pas fini sur le solo est plutôt long, enfin ça t'enchaîne des challenges et tout, mais moi je me suis arrêté tellement c'est dur en fait. Il te demande des objectifs tellement précis et tout, c'est plutôt difficile en fait. À partir d'un certain moment, tu n'y arrives pas en fait. C'est-à-dire, faut enchaîner 3 manuels entre des conteneurs et tout en faisant les 360 entre chaque truc et tout. Ils sont bien gentils, mais je ne comprends toujours pas ce qu'ils demandent. Hein. Hop, donc là voilà, c'était une compétition bien sympa, c'était les goofy contre les régularités, donc c'est enfin ceux qui sont côté gauche, enfin les gauchers contre les droitiers quoi, tu vois. Et on regarde la ville un petit peu qui est pas dégueulasse comme ça, c'est beau là. Puis voilà, il y a des
tons de couleurs bien différents. Là, c'est, on est sur le côté où il y a la plage et les bâtiments, voilà, enfin, je veux dire futuristes, mais non, qui ont la classe, quoi. Ben, les gratte-ciels en vert, ouais. C'est ça, ouais. Et donc, voilà, on est totalement à l'opposé des montagnes de tout à l'heure, hein. Ça qui est sympa. Attends, on va commencer. Donc, finalement, il y a des maps assez variées, quoi. C'est, ouais, c'est une map et les quartiers, vraiment, ils s'enchaînent, ils sont très différents. Il y a les quartiers de Barcelone avec sorte de pavés et ambiance rouge et tout. Ça fait vraiment, même si ça peut faire un peu fake et copier-coller, enfin copier, c'est copier-coller d'un quartier à l'autre, mais pourtant c'est vraiment très varié, du coup ça fait plaisir quand on joue. Hein. C'est-à-dire que voilà, t'auras pas du tout la même attitude selon où t'es quoi. C'est à la montagne, tu fais des gros trucs, des gros graves, et alors que sinon tu feras juste des petits tricks comme ça dans les rues, dans les petites ruelles. Hop. Donc là, a priori, y a pas trop de lag. Ah non, non. J'ai vu là au niveau de. Le online est fonctionnel. Hein. Des autres abonnés, d'autres joueurs quand ils font leur. Ouais, c'est fluide. Hein. C'est pas un mode amateur. Trick, ça, ça passe c'est pas un mode amateur, quoi. Ça marche bien. Ce qu'on voit, c'est bien synchronisé et ça fait plaisir. Hein. Hop, allez, attends, je vais faire le best. On va se faire vite fait pour écouter ouais. la séquence, la musique ouais. Et puis le son de la planche et des tricks. C'est parti. T'as posé le pied ouais, comme ça je voulais vous montrer du coup pour sa fête. Voilà, j'ai battu mon best trick en fait. Parce que hop, et après tu fais hop, et voilà, tu vois, ça augmente. Donc du coup, tu peux faire une autre figure en fait entre temps. Parce que j'aime beaucoup, voilà, je pense que je l'augmenterai au montage. C'est ça, c'est quand la planche là, les roues elles glissent. Enfin, quand on freine comme ça là, ça fait vraiment un super son de roues qui frottent, la gomme qui frotte là. Et ça fait, j'aime beaucoup ce son. Hop, tout le monde fait sur ce petit truc alors qu'il y a, ouais. Y a les tables aussi. Ouais, mais à c'est griller, ici en fait, il y aura un deuxième round, trois même. Et donc le premier c'est ici et que c'est plutôt conseillé. Je crois que j'ai fait le meilleur, je crois que je suis pas sûr. Avec ce petit, ouais, ce c'est petit truc là, t'as fait 800. Hein. Un judo plante là. C'est, moi j'aime beaucoup. Après voilà, ça fait longtemps que je cherchais comment on les faisait, donc j'ai réussi, voilà. Bon mais pour une fois quoi, les weekly ça va quoi, on gère. Bon désolé Fox, mais là. Ouais, c'est dommage, hein, on voit pas, je suis déçu. On là, voit pas comment on peut faire là, on voit pas. T'as invité, en fait, c'est dommage. Hein. Comment se fait-il, qu'est-ce qui se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe-t-il, c'est faire un kidnappé, qu'est-ce qui pas. Se passe, tu vois ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il, en bout de peu, hop. Ouais, c'est bon, j'ai gagné, voilà, c'est bon. 1600, c'est bon, j'ai gagné, les gars. Non, on peut faire plus, hein, je vais essayer de faire plus. Ah ouais, putain, il y avait ça aussi, c'est vrai, les finger flips. Truc de mal, en fait, tu sautes et puis hop. Tu sautes, la planche et... Non, tu sautes et après tu fais bouger ta planche avec tes mains en fait, entre les trucs. C'est vrai qu'il y a énormément de tricks et j'en maîtrise même pas la moitié, donc bon. Bon, 1058, j'ai rebattu. Hop. En ouais. Tout cas, on essaiera, pas tout de suite, hein, mais on fera le 3, je pense. Quand on achètera le 3, ouais. On verra une petite weekly dessus, on verra une petite session, peut-être une petite ouais. Test, une présentation, on verra quoi. Ouais, je pense qu'on testera le 3 de toute façon. Hein. Hop. Même s'il est vieux, c'est pas grave. Ouais, il a qu'un an. Ouais, c'est vrai, c'est un peu vieux, mais bon, on s'en fiche, on le fera. Ah oui. Hop. Donc, au niveau des marques de personnalisation, là, je vois que c'est Ethniz, là, il y a toutes les marques toutes de skate. Toutes les marques de skate, exactement. Toutes les... À peu près sauf Hawk, je crois. Bah, tu m'étonnes. Peut-être qu'il a pas payé avec eux, apparemment. Parce qu'au niveau de la personnalisation, ah. Les vêtements et tout, tu vois, ils collent pas, c'est bon. C'est... Ah non, ils sont bien les vêtements. Ils flottent un peu, c'est. Ouais, ça. Moi, j'aime bien, franchement, j'aime bien, même si c'est qu'il y en a pas beaucoup finalement. Mais bon, voilà, tu peux acheter des tatouages, des lunettes, tout, un peu tout le truc de base. Hein. Après, vous nous avez dit que dans le 3, il y a quand même beaucoup plus de personnalisation. Ouais, surtout plus de non, j'allais dire de trucs, non, de t-shirts et tout, quoi. Là, je dis, voilà, il y en a pas des tonnes. Hop. C'est-à-dire que le seul que j'ai, tu vois, c'est le seul qui est en turquoise circa, tu vois. Il y en a qu'un comme ça. Et comme il n'y a pas beaucoup de couleurs extrêmement vives, en fait, j'aime bien prendre celui-là. Ça fait un peu joli. Putain, j'ai tout déchaîné, les gars. Voilà. Ok, parce que deux fois plus que le deuxième, ça va. Et Ludo, ça va. En fait, on a. Ouais, t'as quasiment presque ouais. tout réuni, quoi. Ouais, j'ai ça va. C'est ça, ouais. Hop, l'ultime. Donc là, c'est n'importe où, en fait. Y a rien imposé. Hop. Alors. Oh, on va faire plus souvent des weekly sur les jeux comme ça, là. Bah, de toute façon, on en a quelques-uns, donc. On gagne, donc on va faire ces jeux-là. Puis il faudra qu'on passe aux jeux de course aussi. J'y pense, là. Hop. Bon, on va pas acheter Motorstorm Apocalypse tout de suite, donc... Mais je pense qu'on fera Rift, on verra, même s'il y a pas beaucoup de personnes, Rift, on essaiera de faire Pacific ouais, Rift. Ouais. Burnout aussi, on essaiera de faire les ça. Les jeux qu'on a, eh bien. Ouh. Il y a mis des Club LA, genre, on en a quand même pas mal, le jeu de course, ouais, mais... Ouais.
Après, il faudrait quand même un petit peu de monde parce qu'on peut pas quand même. Tu vois, skate là, ça va, 4-5 personnes, ça va. Ah, ça va, ouais. Mais ça bon, va. Jeu de voiture, si tu joues à 4-5, il n'y a pas trop d'intérêt, tu vois. Genre, c'est vrai, il faudrait au moins 8-9. Par exemple, la MotorStorm, il faudrait essayer d'être 12, tu vois, pour pouvoir tous se défoncer, se casser. Non, je dis ça, mais la Weekly qui arrive là, dans tout à l'heure, c'est un jeu de course, hein, donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'y pensais même pas. Ah, je suis même pas premier là, attention, je vais concéder le round, simplement la manche là, je ne crois pas, non. Ça y reste 30 secondes. Hop là, et voilà. C'est bon. Petit viol avec un judo. Et là, tu peux pas faire des méga airs, c'est-à-dire grinder entre les deux tables là, poser un manuel ou un. Tu peux, ouais. Ou un trick. Essaye là, c'est le défi là. Et non. Ah, apparemment ça. Ça marchera pas entre les deux, c'est sans trop gagner. Non, mais tu peux pas faire manuel entre les deux. La claque, tu fais un manuel après. Ça. Hop, et après tu ressautes, claque, tu vois. Ouais. Alors, laissez deux elles sont. Non, c'est fini. Elles sont trop hautes. Non, ça marchera pas. Attends, peut-être là. Hop, manuel. Ouais. Ah, ça continue pas comme dans ton New York en fait. Dès que ça finit là, c'est claque, c'est mort quoi. Non, mais la manche est finie là. Oui, non, mais je veux dire, quand c'est à zéro, tu fais dans ton New York, tu t'arrêtes, tu peux niquer avec des manuels et tout. Ah tu non, peux continuer. Non, c'est claque. Tant que t'as pas posé le. Mais là, c'est le meilleur. Là, c'est le meilleur combo en fait. Donc voilà. Attendez, je veux juste. Ça continue, ouais. Je sais que j'ai gagné. Sinon, on a qu'à faire une coupure et on réinvite tout le monde. T'es. Ouais, ouais. Et on fait une boucherie sur ça. Ouais, ok, ouais, tout à fait. Une coupure là, on va essayer de voir avec Fox ce qui se passe parce que c'est pas. Voilà, on n'est pas beaucoup d'inscrits. Genre, vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés à vous inscrire donc vous avez tous répondu présent. C'est vraiment dommage que voilà, Fox il a participé un petit peu au début et là. Il s'est passé quelque chose donc on sait pas du tout. On va voir s'il arrive pas à rejoindre, sinon ouais, on va faire ça, on va couper, dissoudre et reprendre en fait. Hein. Allez, à tout de suite alors, on va couper là et on se dit à tout de suite. Now I know the only compass that I need.